chers usagers de la route. La commémoration de cette année qui a un caractère régional et international est placée sous le terme Objectif 2020, réduire les tués de la route et les blessés graves de 50%. Cet objectif de 50% de réduction des tués et des blessés graves fait également partie des objectifs de développement durable adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment en leur point 3.6. En marge des échanges qui se poursuivent au sein des acteurs de la chaîne de sécurité routière, à ce sujet, j'invite les usagers de la route, toutes catégories confondues, à se joindre à la procession suivie de dépôt de gerbes prévue au départ du carrefour Lavie, de Védoco à destination du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou, le dimanche 19 novembre 2017 à partir de 8 heures. L'accident de la route n'est pas une fatalité. Nous pouvons tous l'éviter. Et c'est pourquoi le ministère en charge des infrastructures et des transports s'emploie quotidiennement à travers le Centre national de sécurité routière à œuvrer de toutes ses forces à la réduction des accidents de la route par divers moyens de sensibilisation et de développement de la politique de sécurité routière. Vive la sécurité, vive le Bénin, je vous remercie.